Moi, je suis arrivé à Beauvais, j'avais 8 ans, en 90, j'habitais là, rue Ronsard. Il n'y avait pas ces immeubles, on les a vus se construire. À l'époque, le parc Berlioz, c'était rien d'autre qu'un terrain vague, traversé par la route, sans trottoir, sans rien. Donc, nous, on était haut comme trois pommes, on avait l'impression de traverser un peu un continent pour aller à l'école ou à la ZAC à côté, quoi, ou pour aller à la piscine. On est sur la foulée verte. Franchement, je trouve que c'est des petits projets à valoriser. C'est des petits trucs que les gens ils pensent, ouais, on est là, on est en train de marcher dessus, mais ils savent pas c'est quoi encore, tu vois. C'est des petits trucs comme ça qui font que, au lieu qu'on marche sur les trottoirs, tu vois, je préfère marcher sur ces choses-là. En plus, ça commence de la piscine Tournesol jusqu'à là, là, ça monte jusqu'au quartier Beauvais Sud. J'aime bien marcher, donc voilà, la foulée verte, on est dessus, on marche. Foulée verte, habit vert, chaussures vertes. Les enfants, ils sont très 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 contents. C'est vrai que proximité du centre. On laisse les enfants s'épanouir. Par rapport au plateau Saint-Jean, je trouve que ça va être mieux. Ça va être plus ouvert. Le parc avec la piste cyclable. Ça va être sécurisé. Depuis qu'il y a eu les travaux, ça a permis quand même beaucoup de changements par rapport, bah, pour les jeunes tout d'abord. Donc il y a eu le site ado, il y a eu le stade qui a été construit, tout cet espace vert. Et c'est vrai que c'est important quand même, comme il y a beaucoup de jeunes dans le quartier, il y a le collège Fauqueux, il y a les jeunes du plateau Saint-Jean, donc ça leur permet quand même de circuler tranquillement. Par rapport, bah, déjà sa dune, et en même temps par rapport à ce qui va se construire pour la circulation, en fait, entre, pour les parents, les enfants, tout ça. Donc déjà ça c'est quand même important, donc ça permet quand même de circuler librement, sachant qu'il y a la route à côté, donc c'est pour une question de sécurité, c'est quand même, voilà, c'est important. On pense que c'est bien parce qu'on est en sécurité. On est en sécurité par rapport aux voitures et tout ça. C'est quelque chose qui était important dans le quartier, ça manquait. Ouais, ça manquait. C'est vrai, moi vous y jouez souvent. Ouais, tous les jours. Sors.
je pourrais faire du vélo, on pourrait marcher, pas dans la boue. La foulée verte, c'est bien, ça permet aux jeunes de pouvoir avancer, rouler sans qu'une voiture elle vienne. Ici, ça nous sert à beaucoup de choses parce que ça nous permet de circuler sans les voitures sur les trottoirs. Parce que c'est idéal. Bon, on fait du vélo, on fait de la danse. On fait du roller. Ouais. Fait de la danse. Voilà quoi. La foulée verte, ça nous permet de traverser le quartier sans passer par les routes. Ça nous permet de se promener avec nos familles, rencontrer des gens dans le quartier, traverser le quartier, tout ça, quoi, voilà. Avec cette foulée verte qui lie cet endroit qui est devenu un parc, qui n'est plus un terrain vague, jusqu'à la piscine Bélier, donc qui permet aux enfants de rejoindre ces deux endroits qui sont d'un bout à l'autre du quartier Saint-Jean. Puis ça permet aussi au centre de loisirs du quartier, il y en a pas mal, hein, en plus du site ado, de pouvoir venir sur ce parc-là et puis continuer à aller utiliser les équipements de la ville en toute sécurité. Là, c'est propice, on voit déjà des enfants. Bon, le terrain, là, on est en heure de cours, donc ils sont à l'école, mais il est tout le temps plein, le City Stade, que ce soit pour du foot ou du basket. On a un terrain qui est même propice aux nouveaux sports qui ne sont pas super accessibles dans nos quartiers, comme le golf, par exemple. On a vu des enfants s'amuser avec les centres de loisirs à faire du golf ici. Et puis, ça change beaucoup de choses et on espère qu'il y aura encore d'autres aménagements de ce type sur le quartier et puis plus globalement à l'échelle de la ville, quoi.